Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Faut m'expliquer un truc. J'ai regardé sur son profil là où il y a la photo. Ça a rien à voir avec sa voix. Avec le gars que j'ai eu au micro. Il change, je te jure qu'il change. C'est moi. Et c'est pas un enfant. Il porte des perruques et tout ça. J'allais sur son profil, tu vas voir. Mais moi, j'étais choquée. Je me suis dit, attends, c'est un enfant que j'ai parlé. Pourquoi là, ça me dit ? Oui. Oui, comment ça va ? Comment ça se fait que tu es un enfant, on est d'accord, tu as 14 ans. Oui, oui, c'est ça. Comment ça se fait que quand tu chantes, tu apparais comme un adulte ? On est d'accord, regarde. Le monde. Oh oui. Allez, c'est parti, elle va prendre sa part. En fait, en gros, si tu veux, je mets ma tête, mais un filtre qui se met devant. Et du coup, ça me rend plus vieux et ça modifie ma voix. Tu connais pas cette application ? Ah bah non, moi, je connais rien. Et parce qu'à un moment ou à un autre, j'ai appelé un numéro. Je préfère mieux être franche avec toi. Oui. J'ai appelé et je suis tombée sur un jeune homme. Et ce jeune homme, j'ai vraiment reconnu ta voix. Ah oui, c'est vrai que j'ai eu un appel avant-hier ou hier, c'était peut-être toi ? C'était pour oui, oui, t'as répondu. À un moment, tu m'as rappelé, t'as répondu. Et je t'ai dit, t'es sûr que c'est passé 1994. Et du moment où j'ai dit que j'allais porter plainte contre toi, que j'allais porter plainte contre tous les numéros, à ce moment-là, t'as raccroché. Bah oui, et parce que j'ai eu peur. J'ai très bien reconnu ta voix. Oui, oui, bah oui. C'était toi, là. Oui, c'était moi. Et pourquoi tu ne m'as pas dit clairement, oui, oui, c'est moi? Oui, parce oui, que c'est moi, c'est 2094. Parce que j'ai paniqué. Oui. Mais ma mère, elle a reçu plein d'appels, elle a eu des menaces de mort. Bah, mais je comprends. Et tu sais que ma mère, elle est au courant pour le doigtage de lapin. Oui, mais à un moment ou à un autre, je t'ai pas menti. Est-ce que j'étais franche avec toi? Je t'ai pas dit que ça allait se retourner contre toi. À un moment ou à un autre. Un autre compromis. Tu m'avais promis une photo de tes pieds. Si je c'est me pas... dénonçais. Non, 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 moi je suis pas Julie. Hein. Ah. Voilà. Moi, c'est Cassandra. Et Julie, elle n'allait pas t'envoyer des photos de pieds. Pourquoi ? Ben parce qu'elle n'a pas envie. Si elle n'a pas envie de le faire, elle ne va pas s'amuser à envoyer une photo de ses pieds pour te faire plaisir, tu comprends ? Oui, mais ma mère, tu peux pas des appels, elle a inspecté mon PC avec une clé USB et elle a trouvé des photos de lapin que je prenais avec lui. Oui, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, avec moi, Julie... Moi, je suis dans la mouise maintenant. J'ai été virée de mon MJC d'atelier de peinture. Nous, avec Julie... On voulait te faire comprendre pourquoi on a fait ça. Que tu comprennes qu'il fallait arrêter. Tu peux avoir des passions. Je sais que ma maman, elle a répondu à 17 appels. Ben oui, mais à un moment ou à un autre, est-ce que tu pensais pas que ça allait tomber ? Oui, j'aurais dû croire votre mari. Il était militaire, il a dit qu'il avait des contacts à la gendarmerie. Je l'ai pas cru. Et t'as pas menti. Hein. Bah oui, mais il avait une tête de con aussi, je pouvais pas savoir. Non, tu peux pas. Par contre, s'il te plaît, tu manques pas de respect au cas de mon enfant. Oui, pardon. Mais tu l'as fait à d'autres personnes avant de le faire avec nous. Je pense pas que ce soit ton premier coup d'essai. Je pense pas, parce que tu t'y connais beaucoup trop pour être débutant. Mais tu sais que maintenant, il y a trop de... Ma mère, elle sait, mon père, il sait à propos de mon lapin. Du coup, maintenant, tous les jours, je le dote au moins 10 fois. J'en profite avant qu'il me soit retiré. Mais faut pas faire ça. T'as d'autres choses à faire au lieu de faire des choses comme ça. Ben, j'en profite avant qu'il me mais soit retiré. Mais t'es jeune. T'es jeune. Pourquoi tu fais ça? Ben... Je comprends pas. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais du mal aux gens. Mais le fait du mal aux gens, pas, ça lui fait du bien. Non, mais moi, je te parle pas du lapin, là. Je te parle de nous. Mais moi, je te... D'accord, vas-y. Moi, je te parle de nous. De nous? On est enfin copains? Non, mais non, on n'est pas nous. Bah, je sais pas, t'avais l'air très contente à la fin du SMUL à la fin. Oui. Et tu penses à ma mère j'étais contente parce que tu les avais supprimés, tu vois. Le fait que tu les aies supprimés, ouais, j'étais contente. Non, mais c'est comme la phrase à... que tu m'as dit, par contre, que là, de toute façon, dans tous les cas, je t'en voudrais tout le temps. De quoi? Quelle phrase? C'est. Oh, mais c'est pas grave, dans 10 ans, ton gamin, il se branlera sur toi. Tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça intelligent? Et ça te fait rire un peu? Non, je pleure. C'est juste cette phrase, j'ai la haine contre toi. Tu comprends haine. Pourquoi j'ai encore envie d'aller plus loin avec toi? Mais non, je ne peux pas plus. Aller plus loin. Tu sais que j'ai déjà reçu.
J'ai déjà reçu 10 pizzas et j'ai dit, du coup ma maman elle a dû les payer. En plus c'était des pizzas hawaïennes, moi j'aime pas ça. Mais maintenant il va se passer quoi? Eh bien, il va se passer que, ben, exactement ce que j'ai dit. Eh bien, je vais pourrir la vie aussi. Et je m'en fous, c'est mieux, Tu c'est vas pas me ma vie, pourrir la moi. vie? Mais comment tu vas me la pourrir? Et j'ai tous les numéros, oublie pas, j'ai tous les numéros. Non, mais tu crois que j'ai pas les cartes en main pour te pourrir la vie aussi? Mais sérieuse, elle. Miskine DMG, Je veux que tu miskine. comprennes. Sylvain, Tu vois? tiens bon. Juste la phrase, ton gamin dans 10 ans, il se branlera sur toi. Alors là, c'est ce qui a déclaré la guerre. Moi, mais moi, je suis mineure. Je Et peux pas alors? faire ça. Mais c'est pas grave, c'est pas toi qui prendras, c'est ta famille. T'es mineure, c'est pas grave. Oh, bah, t'as raison, en fait. Ah, j'ai raison en plus. Enfin, non, non, c'est pas ce que je veux. Non, pardon. Ah, j'ai raison, donc tu serais Non. d'accord qu'en gros, ta mère ou ton père ou ton frère prennent à ta place. Bah, non, je veux Ben. pas. Ah ben, et après, au final, c'est pas moi qui vais être dans la merde, ça va être toi, parce que si tes parents vont en prison à cause de tes conneries, ils t'en voudront toute ta vie. Mais de toute façon, tu sais, je l'aime pas ma mère. Tu as déjà dit que je lui mettais des baffes pour Internet. Ouais, et ben, c'est une raison de lui mettre des baffes Bah alors qu'elle oui, pour t'a avoir donné des la gigas en vie. plus. Alors, c'est une raison de lui mettre des baffes alors qu'elle t'a donné la vie. Bah, elle m'a donné la vie, mais elle me donne pas Internet, hein. Et alors, mais Internet, c'est que un outil. Bah oui, mais moi j'aime Internet, bien. c'est qu'un outil. C'est que toi, tu es jeune, t'as pas connu une autre génération, je pense, que toi, maintenant, tu vis avec Internet. Si t'as pas Internet, tu pètes un plomb. Je me trompe? Non. Mais après, je t'avoue que je me défoule sur elle parce que ça me fait rigoler. Tu devrais essayer toi aussi. Toi, t'as grandi dans une génération de hippies. C'est pas la même Non, chose. c'est pas une génération d'hippies, c'est une génération où tu respectes tes parents, en fait. C'est ceux qui t'ont donné la vie, c'est ceux qui te nourrissent, c'est ceux qui t'hébergent. T'es bien content quand ta mère te lave tes caleçons ou autre. Quand tu bouffes tous les soirs. Ouais. T'es bien content de bouffer tous les soirs et toute la journée. Ah bah oui, je suis content, hein. Eh ben, et si t'avais pas ta mère ou si t'avais pas ton père, tu ferais comment pour bouffer? Bah Uber Eats, quelle question. Quoi? Uber Eats. Ouais, et jusqu'à quand? Je t'ai dit la dernière fois, j'ai gagné 20 000 avec l'histoire que j'ai fait avec toi. Avec les 20 000 euros, t'as pas, avec ma vidéo, avec notre vidéo, t'as permis de te faire de l'argent. Ben, c'est tant mieux pour toi. C'est tant mieux pour toi. Tu sais quoi? Tu finiras derrière les barreaux. Et là, tu t'en mordras les doigts. À ce moment-là. Putain, j'ai pas envie d'aller en prison, moi. Eh, mais c'est ce qui va t'arriver à force de faire le con. C'est ce qui va t'arriver. Eh oui, c'est ce qui va t'arriver. Bah, tu vas aller en Et prison. continue comme ça, tu vas finir en tôle. Avec une gamelle, ça va même pas être de la purée que tu vas bouffer, ça va être de la purée à l'eau. Avec une vieille patate et un vieux morceau de pain. Tu vas voir ce que c'est la vraie vie. Oh non, j'aime pas les pains en plus. Et mais c'est ça la vie. Je vais échapper à tout ça. Et tu sais, je vais Et aller tu vas chez faire ma comment soeur. pour échapper à tout ça? Ben, je vais aller chez ma soeur, tu sais, que je t'ai dit à Mourante, au Canada. Pas les collègues. Oui, et ça va t'aider 5 minutes et après, mais de toute façon, dans tous les cas, ils pourront quand même te retrouver. C'est ça ce que tu Mais comprends. dis-moi, excuse-moi, ton mari, il est militaire. Il est militaire. Ouais. Et tu peux lui demander s'il y a, genre, s'il y a Call of Duty ou Fortnite en prison? Parce que j'aimerais quand même faire quelques games. Non. Non, il n'y a rien. Comment ça, y a rien? Tu dors sur un lit en béton avec une petite couverture, t'as pas de console, t'as pas C'est de dur. télé. Il n'y a même pas une GameCube. Il n'y a rien. Oh putain. T'as juste un chiotte et tu chies dans ta chambre et ça Oh pue la merde. merde. Et au pire, j'ai une petite idée pour me reformer vu que je suis un mauvais enfant. Je peux peut-être venir vivre chez vous quelques jours. Ah mais non, mais t'es malade. Ah, Pourquoi? surtout pas. Ah C'est bien non, ça. non, non, Bah non. pourquoi? Bah parce que. Mais comme ça, vous me Pourquoi je reformez? m'amuserais à t'héberger chez moi alors que tu m'as fait ça? Non, moi ça marche pas comme ça. Hein. Bah, tu promets, la dernière fois sur le dernier smule, tu m'as dit que si tu me voyais, tu me mettrais des fessées. Comme ça, voilà. Allô? Ah, t'es parti? Non, je vais pas t'héberger chez moi. Bah, mais ça serait une bonne idée, non? Non, 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 moi ça marche pas comme ça. Ah, mais j'ai une idée. Au pire, on fait. Tu sais, on fait l'émission, tu sais, on échange nos mamans. Non, mais non, mais surtout pas. Mais si, comme ça, tu viens chez moi et je te présenterai mes lapins. Mais j'en veux pas de tes lapins. Non, non, je veux pas avoir tes lapins, les petits lapins. Pourquoi? Mais je te les présenterai. Il y a Cookie. Il est tout blanc.
La force, il va plus être blanc. Blanc? Comment ça? Merci, avec coach. Tes conneries, ce que tu fais, il va plus être blanc. Je comprends pas. Comment il peut ne plus devenir blanc? Bah, par rapport à ce que tu leur fais, les pauvres. Attends, t'imagines, tu peux les tuer? Donc si je lui mets des doigts dans le cul? Ben ouais, tu vas les tuer. Je vais les tuer? Après, c'est sûr que le caca, il va sortir plus facile. Mais tu sais, je suis petit, j'ai un petit index. Ça rentre facile. Ah, mais t'es grave. Pourquoi je suis grave? Non, mais tu sais, je lubrifie avec de la colle. Mais bref, ça n'empêche pas que je t'hébergerai pas chez moi, parce que crois-moi que... Bah, tu auras une chance, hein. Hein? Quoi? Attends, je veux parler avec ton mari derrière, parce qu'il fait le rouquignol derrière. Et moi, si j'ai pas envie? Non, mais on a la même passion avec ton mari. J'aime bien mettre des doigts dans le cul de mon lapin et toi dans tes fesses. Ah, mais mon homme, il met pas des doigts dans le cul, il a pas des neurones en moi, c'est différent, tu vois. Il te fait pas ça, ton homme? Et ça te regarde, ma vie, en fait? Déjà, toi, retourne à l'école. Je pense que t'as besoin d'aller à l'école. D'ailleurs, pour ça, j'ai terminé la table de 5 des multiplications. J'apprends la table de 6. Ah, c'est super, ça. Regarde, 6 fois 2... 16. Ouais. 16. 6 fois 2, 16. C'est ça? Attends, 2 minutes. Ah, tu vas voir sur Google la réponse. Non, prends une calculette. Attends, 2 minutes. 6 fois 2, 16, oui. Non, 12 déjà. Mais non, mais c'est pas possible. Non, attends, je me casse moi, c'est pas possible. Après, à part ça, t'as passé une bonne journée? Mais non. Non, oui, je suis allée à l'atelier de peinture. Oh, et t'as fait quoi? Bah, de la peinture. Tu veux que je fasse quoi, la peinture? Je sais que t'as été faire de la peinture. J'ai fait des petits lacs avec les lapins sur le rebord. Des petits lacs avec des lapins sur le rebord? Ouais. T'aimes bien les lapins? Bah oui, j'aime bien. T'as dit quoi? Tu te moques de mes lapins derrière? T'as dit quoi? Tu te moques de mes lapins derrière? Je suis sûr que ton mari il a un petit pénis. Ah, mais ça, ça te regarde pas, c'est un petit pénis. T'inquiète pas, en tout cas, c'est une bonne bosseuse. Quoi? Elle travaille bien. Ah, bah ça tombe bien, on a ton numéro. C'est bien ça. T'es pas intelligent. On entend mon numéro. Eh ben oui. Oh, la boulette. Oh, la boulette. Un tel? Oh, la boulette d'Amster. Ah, ou un certain 6-20-94, ça vous dit rien? Ah, bah c'est bizarre, pourtant, je suis en live avec lui. Bah tu vois, regarde. Mais en tout cas, tu vas bien te faire choper, toi. Parce qu'il était pas content. Il était pas content? C'était un vieux? Ah, ça, je te donne pas d'informations, mais en tout cas, il était pas content. T'as ton numéro qui finit par 3262 qui vient de Paris, il était pas du tout content. Là, t'es foutu, hein. Oh putain, je suis dans la mouise. Ça doit être mon oncle, je sais pas. Il veut pas les problèmes. Tu sais, Cassandra, je t'avais parlé de mon lapin. Et j'ai déjà tenté à... avec des hamsters, tu sais, avec des mines de critérium que j'ai volées à l'atelier de peinture. Et il est mort, le petit hamster. Bien fait pour ta gueule. Comment ça, bien fait pour ma gueule? Eh oui, on t'avait prévenu, t'as pas voulu jouer, t'as voulu jouer à l'homme le plus fort. Et bah voilà, au final, l'homme le plus fort, il tombe le plus bas. Non, mais laisse-moi parler à ton mari pour qu'il te calme, Cassandra. Non. Comment ça, non? Non, parce que c'est comme ça, c'est tout, c'est la loi, t'as voulu jouer, bah t'as perdu. Fin de l'histoire. Mais tu tiens pas ta femme aussi? Hein? Tu tiens pas ta femme? Parce que j'ai pas besoin de tenir ma femme. Elle est assez grande pour faire ce qu'elle fait. Phrase que t'as dit. Au pire, dans 10 ans, ton fils se branlera sur toi. C'est cette phrase. Et tu sais, c'est rien que pour ça que je me venge. Mais je regrette tout, j'ai tout supprimé. Mais même si t'as tout supprimé, ça reste toujours en mémoire. Toujours. Mais je regrette, je m'excuse. Si tu veux, je viens chez toi et je me mets à genoux pour... Mais j'ai pas besoin. J'ai encore moins, tu vas venir chez moi. Regarde ce numéro, Romain. 4 voitures de flics. 4 voitures. 4 voitures de flics devant chez moi? Ouais. Oh putain. Et aussi d'ailleurs, il y a des gitans du plateau qui vont aussi descendre. Des gitans. Julie est au courant. Maintenant que j'ai ton adresse. Mais j'ai tout supprimé. Mais même si t'as tout supprimé. Au pire, on peut s'arranger. Non. Je vous fais un virement PayPal, ça vaut. Non, moi on me paye pas. Mais après pour qui? Mais pour qui? Pour ton chien? Pour ton lapin que tu permets de doigter? Pour quoi? T'es sérieux là? Tu prends pas mon lapin comme ça? Comme trois pommes là. Tu prends pour qui là? Et ton fils plus tard il va se branler sur des animaux et tu parles avec moi? Non mais non. Je veux bien que tu me parles de noisettes. Alors là encore pire. C'est là encore pire. Encore pire. Bah tu sais quoi maintenant? J'ai ton adresse etc. Et les numéros. Là tout à l'heure il y a un numéro qui m'a appelé. Rien pour ce que tu viens de dire là. Mais demain matin je vais au flic. J'ai donné ton adresse. D'accord? Il sera déjà devant chez lui ce soir.
te poser une question à ton mari le militaire. Zé, pose-lui. Quand tu dois rentrer dans le militaire, est-ce que tu fais comme dans Koh-Lanta, tu sais, tu fais les épreuves, genre tu manges un bigorneau, tu manges un ver de terre, tu manges un lapin, un rat. Bah t'as qu'à rentrer dans l'armée, tu verras. Je dis rien, c'est secret défense. Ah oui, secret défense. Même ça, j'ai pas le droit de dire, c'est secret défense. Ah ouais. Bien, t'as vu ce qu'il a dit, Romain? Il a dit, je suis à l'adresse avec les flics, ils le cherchent. Ils me cherchent? Ouais, ouais. Eh oui, voilà. Attends, je vais me cacher sous le lit, j'arrive. Oh putain, merde, merde. Ouais, c'est vraiment plan. Oui, allô? Tu te planques? Pourquoi tu te planques? Non, parce qu'il a dit qu'il y avait la police. Mais faut bien, après, faut que t'assumes. Merde, attends, ça sonne, j'arrive. Attends, oh putain. Oui, c'est qui? J'arrive. Oh oui, il y a la police devant chez moi. Comment je fais, moi, maintenant? Je peux pas t'aider. Débrouille-toi. Faut que t'assumes. Faut que t'assumes. Oui, Romain, c'est bien, t'es bien chez lui. T'es bien chez lui. T'es bien chez lui, Romain. C'est bon. Oh, je suis dans la merde. Oui, oui, Romain, t'es bien chez lui. Essaye de faire rentrer les flics chez moi, parce que là, ils rôdent, et je vais dire que... Soit Cassandra ou Julie ont voulu me montrer les seins et attouchement sur mineur. Pardon ? Pédopornographie. Pardon ? Ouais, ouais, t'as voulu me montrer tes seins. Je n'importe quoi, y'avait tout le monde. Y'avait tout le monde sur le groupe. J'ai des screens ! Ouais, moi aussi j'ai des screens. Tu m'as montré, ouais, dans le chat, Smurf disait qu'elle m'a montré ses seins. Ah mon dieu. Mais moi personnellement je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Et ben moi aussi j'ai rien à me reprocher, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est toi qui es en train de retourner ta veste parce que tu sais t'as les flics devant chez toi. T'as vu, ça fait peur. Je vois pas de quoi tu parles, je vois pas de quoi tu Arrête. Parles. Moi, je suis sur Fortnite, j'achète des V-Bucks là. Mais moi, je m'en fous, personnellement, je n'ai rien montré. J'avais mon homme à côté, et encore. Et tes complices. N'importe Vous êtes deux dans la terre, alors. Mais n'importe... Oh, mais tu Vous allez prendre pour deux. Je donne mon tel à un policier, il entend toute la conversation. Mais non. Pourquoi vous m'embêtez? Vous allez pas profiter de votre vie avec votre fils? Vous embêtez un petit genou comme on moi. On peut pas? T'as vu la merde que tu nous as fait? T'as vu la réputation qu'on a? Mais c'est bon, je m'excuse, c'est une histoire sur internet. Non, mais non, y a pas d'excuse. Y a pas d'excuse. Maintenant, tu assumes ce que t'as fait et puis c'est tout. Tiens, y a un policier qui voudrait te voir. Bonsoir, officier de brigade. Mais non, mais non. Je souhaiterais voir ce Sylvain, s'il vous plaît. Mais non. On passe le policier? C'est un mec qui parle sur le chat, mais non, mais non. Allez, tiens, Romain. Non mais je vous assure les mecs, un mec sur le chat, il a fait bonsoir, il a juste mis ça. Hein. Un mec qui s'appelle dans le chat, il a mis juste bonsoir, officier de brigade. Je souhaiterais voir ce Sylvain, s'il vous plaît. Non mais Sylvain, tu peux toujours essayer de tout faire. Bah non, de toute façon j'ai déjà mis le disque dur dans le micro-ondes. D'ailleurs ça fait un bruit tout à l'heure, je comprenais pas trop, j'irai voir après. Bien sûr, je pense qu'à mon avis t'aurais mis disque dur dans le micro-ondes, je pense qu'à mon avis tes parents ils auraient dit quelque chose. Et tu sais que t'as un policier sur le direct, donc dans tous les cas, si t'as mis ton disque dur dans ton micro-ondes, il va venir le récupérer. T'entends, il va venir le récupérer, il enverra à la scientifique, et la scientifique va faire le reste. Bah, je vais l'enterrer dans le jardin. Tu sais, détecteur de métaux, ça existe. Oh, mais non, détecteur de métaux. Bon, moi, je vais vous laisser. Bah, pourquoi? Bah, je vais dormir dans mon lit une dernière fois avant d'aller en prison pour Ah bah non, mais non, faut autant assumer maintenant. Bon, bah... En plus, je vais profiter de mon lapin et de mon hamster. Dernière question, Cassandra. 6 x 4 ? Ça te regarde ? Oui, allez. Bonne nuit à vous. Romain, prends le micro, vite, dépêche-toi, il va se barrer. Oui. Allô, Romain ? Non, c'est pas Romain, non. C'est l'adjudant brigadier. Non ! Écoute, on est en bas de chez toi. Bonjour, adjudant chef. On est à Neuilly-sur-Seine. Oui. On va parler calmement, d'accord ? Non ! On nous a appelés, on est au courant de tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, tu nous donnes ton adresse et on va venir discuter calmement. Avenue 10, Marseille, monsieur l'adjudant-chef. Quand on m'appelle, je réponds présent, mon adjudant. Je suis vraiment désolé. Non. Je ne plaisante pas. Tu as fait des choses très graves. Il y a des choses qui sont punies par la loi, d'accord? Moi, mon métier, c'est d'appliquer la loi. Maintenant, tu vas être grand, tu vas être adulte, même si tu n'as que 14 ans, parce que j'ai compris. Donc... On va venir discuter, on va voir avec tes parents ce qu'on va faire, d'accord? D'accord, mon adjudant. Vous n'avez pas le droit de rentrer chez les gens après 21h, sauf si j'ai des drogues chez moi. Écoute, tu vas pas m'apprendre mon métier, d'accord? Il est trop réaliste, le flic. Donc, ouais. On va venir et on va discuter. C'est un peu les règles de la loi, donc bon, si vous-même ne le connaissez pas... Ça fait 15 ans que je fais mon métier, d'accord? Tu n'étais même pas né quand j'ai commencé à être dans la police, donc tu je vas pleure. Pas commencer à me casser les couilles, parce que sinon, je vais pas monter le ton, et ça va aller plus loin. Donc, tu vas commencer par te calmer. Oh là, vous branlez votre micro, là, ou quoi? Bon, ok, les gars, on y va, là, c'est bon. Allez, c'est parti. Emmenez-le.
Oui, bonsoir, monsieur de la police. Ma femme, elle est occupée, donc moi, c'est Guillaume, je suis militaire. Voilà. Pour plus d'infos pour les policiers, si jamais. Oui, voilà, effectivement, en fait, on avait fait un live à un moment donné avec ma femme et une amie. Ils étaient en train de chanter tranquillement. Et à un moment, il y a un fameux Sylvain qui arrive, qui commence à piquer des vidéos, tout ça, enfin, à enregistrer en vidéo. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au final, ma femme s'est retrouvée sur Pornhub. Maintenant, là, t'es en train de dire tout ça à qui? Aux policiers? Aux policiers, oui, je dis la vérité. Putain, t'es sérieux, homme poucave? Je suis militaire, j'ai juré sur l'honneur. Non, mais regardez, attends, je vais vous montrer le chat, les gars, regardez tout ce qu'il y a. Après, la croix rouge. On est sur ma femme en vidéo sur Pornhub. Mais je t'ai déjà dit, c'était pas moi Pornhub, c'est un croupuscule. Il y a le maire de Noisy-le-Sec. Je suis le maire de la ville, je vais faire intervenir les autorités. Putain. Ah bah oui, mais t'es fichu, mec. T'avais qu'à réfléchir à ce que tu faisais, hein. Pas le maire de la ville. Regarde ce que disait Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est vrai, je suis le co-directeur principal de la Croix-Rouge. Je demande de te rendre et de t'expliquer auprès des agents compétents. Une bande de SDF est devant chez toi. Putain. Comment je peux faire pour vous joindre directement en contact privé? Oh putain, ça part trop loin, demain je vais me retrouver à la une, chef de policier. Bon, écoute, j'ai été gentil avec toi, maintenant tu nous dis où tu es. Ça fait maintenant une demi-heure qu'on tourne dans le quartier, qu'on te cherche, on ne te trouve pas. Donc soit tu descends directement de toi-même et ça se passera bien, ou alors on va aller encore plus loin. Tu as compris? Ainsi, je te laisse tourner en rond dans le quartier. Je vais avoir plus de problèmes. Je dois descendre maintenant. Eh bien, toi qui connais si bien la loi, écoute, ce sera outrage à l'agent. Comment ça, outrage à l'agent? Je t'ai même pas insulté. Sale bâtard de corrompu. Et c'est une chose qui est faite maintenant. Merde! Merde! Putain, tu m'as piégé! On a cette adresse-là. Maintenant, tu vas faire le grand. Tu veux faire le grand devant moi au téléphone, c'est facile. Maintenant, tu vas descendre, on va s'expliquer. Écoute, j'ai mon collègue là qui est en train de noter les preuves. On a enregistré le live. Donc de toute façon, dès qu'il sera fermé, on aura ces preuves-là. Ce que tu as fait à une femme, ça ne se fait pas. Donc je vais limite enlever mon uniforme et on va parler entre hommes. D'accord? Mais j'ai que 14 ans, comment ça parler entre hommes? J'en ai rien à branler que t'es 14 ans. Pour moi, t'es un petit con, d'accord? Je suis père de famille, même mes gamins ne feraient jamais ça. Donc je vais t'apprendre ce que c'est que l'éducation. Mais ils font jamais quoi tes enfants? Ils doivent être un lapin? Viens, on y va. Franchement, il faut le trouver. On fait toutes les maisons, j'en ai rien à branler de réveiller les mondes. Mais on va le trouver. Dépêche-toi de descendre de chez toi. Vite. D'accord. Vite. D'accord. J'ai beaucoup de patience, mais là t'arrives à bout. Alors vite! Oui, et si je lève les mains, vous mettez pas de balle dans le cul. Pardon, j'arrête. Oh putain, putain. Attendez, il y a Cassandra qui veut s'entretenir avec moi parce que c'est moi qui fais le déplacement en premier sur le lieu. Oui, bonjour. Je suis Cassandra, la victime de Sylvain. Mm-hmm. On était en train de chanter tranquillement et il est rentré dans notre live. Et au fil du temps, bah, il nous a mis sur Internet, il a créé des montages pornographiques sur nous alors qu'on n'avait rien demandé. D'accord. Donc après, il y a eu des propos par rapport à mon enfant très déplaisants, du genre si... Oui, j'ai entendu, oui, sur voilà. Dans l'avenir de votre enfant et... une masturbation éventuelle ou un truc comme ça, j'ai entendu, oui. Voilà. Oui, oui. Ça m'a atteint vraiment. Non, mais ça se comprend, ça se comprend. Il y a pas de... Je suis père de famille aussi, je comprends. Donc nous, on a une équipe qui est... On a quatre voitures qui sont devant chez lui. Oui. Apparemment, suivant l'adresse qui nous a été communiquée. Donc on espère que c'est la bonne adresse. On n'a pas de certitude. Pour l'instant, on a des équipes qui s'en occupent. Il sera sévèrement puni, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai préféré avec Julie réagir intelligemment la loi que... Non, mais vous avez bien fait. On se déplace. Mmh. D'ailleurs, monsieur Romain, là, qui est à mes côtés, j'ai malheureusement dû... Enfin, je devrais lui prendre son téléphone pour avoir les suites des enregistrements. Il est énorme. Bon, après, vous avez de la chance qu'il habite à côté, mais bon... Je remercie toutes ces personnes parce que... Sans bravo, les gars. On a réussi à l'aider, quoi. Au moins, on a interpellé les DMG, les gars, c'est bon. C'est plus que Sylvain, le jeune Sylvain. Il suffit qu'on le trouve et... Il y a des bêtises qu'on peut faire qui sont pas graves, mais là, c'est une bêtise assez grave, c'est oui. Très grave. Oui, c'est de l'atteinte à autrui, là, on peut lui mettre... Le droit d'image et tout, hein, c'est pas rien. Hein. Ah, mais on peut... on peut lui mettre facilement, je dirais 20 ans, en sachant qu'il a 14 ans, et pour ce qu'il a fait, je pense qu'il va faire une belle partie derrière, au château du roi, comme on dit. Parce que voilà, même mon conjoint qui est militaire, il se connaît un petit peu même lui, il dit que c'est pas normal. Ah non, mais ça... À 14 ans, il devrait même pas faire ça. Non, c'est sûr.
On va voir pour un hôpital psychiatrique éventuellement pour un petit séjour parce que même je pense que s'il faisait de la prison il recommencerait donc je vois pas trop l'intérêt. Voilà, mais surtout moi il m'a dit qu'on était les premières victimes mais moi j'y crois pas, il est beaucoup trop fort pour qu'on soit les premières victimes, ça c'est sûr. Vous savez de nos jours les jeunes sont capables d'envoyer des mails que nous on était encore au téléphone à roulette hein, donc non mais rassurez votre famille, voilà maintenant l'affaire est entre bonnes mains et on va s'occuper du reste. D'accord. Est-ce que vous souhaitez parler à Julie parce que vous n'avez pas réussi à la voir ? Je ne connais pas cette personne. C'est la deuxième victime, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, Julie. Oui, monsieur Fell, vous inquiétez pas, je vous rends votre téléphone, il faut que je parle aux victimes. Julie, bonsoir. Donc, c'est la gendarmerie de Noisy-le-Sec. Oui, bonsoir. Vous expliquez la situation. On faisait un live tranquille et il est venu nous hacker. C'est énorme, les gars. Il nous a mis sur Twitter. D'accord. Et là, c'est lui qui lui a dit qu'il a fait les montages pornographiques de nous sur YouPorn, sur plein de sites. Alors, on a essayé d'arranger les trucs. Au début, moi, quand il est rentré sur le live, c'était la cadavre de droite. La cadavre de droite ? Voilà ce que je ressemble. La fille de droite, tu es un cadavre. Wow. Que je ressemblais à un cadavre. Et après, quand on a essayé de s'arranger avec lui pour qu'il enlève les photos et tout, il a dit oui, vous inquiétez pas, je vais tout enlever. Il nous a proposé de l'argent. On lui a dit on n'en veut pas de ton argent. Il m'a dit si je te donne, si j'enlève tout, c'était moi ça. Tu peux me donner une photo de tes pieds. Et après, MJ, il a dit un fétichiste. Oui, il est fétichiste. D'accord. À 14 ans, être fétichiste, Quand j'ai pris le micro, il m'a demandé, il me dit, est-ce que t'es zoophile ? Ça va très loin, là. Ah oui, ça allait très loin. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai téléchargé Smul sur mon portable, vu que c'est mon amie Cassandra qui m'a montré cette application. Mm-hmm. Elle m'a dit, c'est pour s'amuser, pour chanter. Et après, par la suite, tu peux être découvert et pouvoir chanter vraiment officiellement, quoi. Alors, je dis, moi, j'aime bien la chanson, je vais y faire. Mais ils ont vraiment cru qu'on pouvait percer sur Smul, c'est ouf. Oh, mais moi je pensais que c'était un troll, ça. J'ai pas besoin de ça en plus, quoi, avec tous les soucis que j'ai. Même que Sylvain, quand on a pris le micro, il nous a dit, vulgairement parlé, vous inquiétez pas, j'enlève tout, j'ai pas envie que votre enfant, dans 10 ans, il se branle sur vous. Oui, c'est ce qu'il a dit à mademoiselle Cassandra. Il a dit à Cassandra que j'étais une calculatrice. Sur les vidéos, c'était Cassandra se fait tringler dans une cave. Oula. Attendez, je joins tout ça par écrit pour le mettre au dossier, comme ça ira plus vite pour l'enquête. Et moi c'était la gitane qui se fait. Comment il avait dit qui se fait sodomiser par 8 blacks. D'accord, bon mais j'ai assez de pièces. Donc je vais aussi vous rassurer mademoiselle Julie. Ne vous inquiétez pas, donc on va gérer tout ça. C'est ouf que ça partit aussi loin. C'est juste c'est qu'une question de temps maintenant. D'accord. Ah ben, je crois qu'il veut vous parler. J'ai l'impression, oui. Donc, bon, mais. Oui. On va parler sur un autre ton. Je vous rassure, madame, on s'en occupe. Passez une agréable soirée. Voilà, s'il peut être puni, ça oui, serait oui, bien. Oui, il le sera. Il le sera, vous inquiétez pas. Passez une bonne soirée, madame. Au revoir. À vous aussi, bonsoir. Bon. Alors, petit Sylvain, à nous deux. On n'est toujours pas sorti de chez toi. Oui. Oui. Monsieur le policier. Ouais. Oui, j'aimerais vous poser une question parce que moi je suis toujours dans le doute et dans la peur. Là, je n'ai strictement rien à foutre, mon petit rang. Mais pourquoi vous me parlez comme ça ? Non, parce que. Oui, je suis un flic, mais là tu. T'es arrivé au point de non-retour en fait. J'ai eu beaucoup de respect pour toi au début, chose que je n'aurais pas dû avoir vu ce que tu as fait. Maintenant, vas-y, je t'écoute. Oh putain. Est-ce que. Mais moi, je vais vous. Comme vous êtes flic, vous savez que je suis déjà allé en prison pour mineur 3 mois parce que j'ai fait des attouchements à ma petite sœur. Est-ce que je vais prendre plus du coup ? Ça, mon pauvre, il n'y a que la justice qui te le dira. Moi, je fais mon métier. Mon métier, c'est de t'interpeller. Maintenant, j'attends en bas de chez toi encore, comme je t'ai dit. C'est le juge qui décidera de ta peine. Moi, je suis juste là pour te ramener à la justice. Moi, je me suis excusé. Par contre, j'aimerais que tu descendes de chez toi parce que tu vois, j'ai une famille, d'accord ? Il est tard maintenant. J'ai autre chose à foutre que de m'occuper d'un petit con qui n'a rien d'autre à foutre de sa vie que de pourrir la vie des femmes. D'accord ? Maintenant, je vais te parler comme ça. Tu n'es qu'un petit con, tu n'es qu'une petite merde. Tu n'as que 14 ans, tu devrais aller te faire suivre. D'accord ? Mais monsieur le policier, moi j'ai...
tout supprimer. Je n'en ai strictement rien à foutre. C'est fait. Tu as fait une bêtise, quand on fait une bêtise, on est puni. Maintenant, ça suffit de faire le guignol. Donc tu assumes et tu descends. On est en bas. Ça va faire 2 heures qu'on est en bas de chez toi, qu'on t'attend. Maintenant, tu prends tes couilles et tu descends. Tu veux faire le bonhomme ? Je m'en fous, je vais. Tu veux faire le bonhomme ? On va faire le bonhomme. D'accord ? Tu veux faire le grand ? On va faire le grand. Je vais jamais descendre, tu vas attendre jusqu'à 6 heures du matin. Il n'y a pas de souci. Il y a une équipe de relève qui est prévue, de toute façon. Moi, je m'en fous, ça va pas me faire un deuxième trou du cul, j'en ai déjà un. C'est clair ? Oui. PayPal. Là, en ce moment, j'ai 27K. Je peux vous faire un virement si vous voulez. Allez, vas-y. Vous, via MPSmule, vous ça, me donnez tu... votre adresse. Oh, tu me prends pour un fait corrompu, toi. Non, je ne l'ai pas. 14 ans, mais t'es sérieux, toi? Putain, il est chaud. Oh, tu crois que. Oui. Tu t'es cru dans quoi, là? T'as cru que c'était les experts? Oh, c'est la vie réelle, là. Ok? Du coup, ça t'intéresse pas? Oh, ma carrel qui me tutoie maintenant. Oh, le respect, tu sais ça ce que c'est? Pas. Ça te parle, le respect? Oui, pardon. Mais je peux vous proposer, s'il vous plaît, pourquoi vous me parlez comme ça? Je vais te respecter, moi? Mais t'es sérieux, là? Mais je te manque pas. Dépêche-toi de descendre de chez toi, je te dis. Mais comment, à quel moment je t'ai manqué de respect? Bon, écoute, maintenant, ça suffit. J'ai assez joué. Comment ça, t'as assez joué? Déjà, moi, c'est vous, ok? D'accord, ok. C'est pas la bonne adresse qu'il a donnée. Espèce de petit enfoiré. Et le psy, ils ont quelque chose, là, pour choper sa vraie adresse? Parce qu'il faut pas laisser ça. Eh, je suis l'agent. 23 000 via PayPal. S'il vous plaît. Je peux monter à 25 000 max. Ok, mais tu vois avec le psig et puis on essaye de voir. D'accord. Et tu l'as mis sur le registre? Et les gars, regardez le chat, les mecs, je vous le montre. Ok. Vous n'êtes pas prêts, la Cassandra, elle y croit toujours. Elle a fait à vous tout. Et sinon, tu sais quoi, on va le mettre fichier S, comme ça, vraiment, il sera sur. À vous tout, Sylvain, les mecs, regardez. Ouais, je m'en fous, c'est comment pas. Ça, fichier S? Non, mais c'est pas un islamiste, on s'en branle, mais je le mets dans les fichiers S quand même. Mais comment ça, islamiste? Comme... Vous êtes sérieux? Non, mais comme ça, on l'aura lu. Okay. Oh, bah, tu vois, avec le psy, il le met dans les fichiers S, comme ça, au moins, c'est réglé. Non, comment ça, fichier S? Non, monsieur le policier, s'il vous plaît. Okay. T'es fini, Sylvain, assume-toi et rends-toi. Ça va être pire pour toi. Enfin, c'est pas S1, c'est CDA, mais bon. Voilà, c'est bon, moi j'ai fait mon boulot. Écoute, tu vas être répertorié dans un fichier grand banditisme, parce que c'est du banditisme virtuel que tu as fait, d'accord? Ça a été trop loin. J'ai voulu être clément avec toi, d'accord? J'ai voulu être gentil. Je t'ai proposé de te rendre juste qu'on discute calmement. T'as même pas les couilles de descendre. Maintenant, tu veux qu'on aille plus loin, on va aller plus loin. Il y a ton nom qui est dans le fichier, d'accord? Mais crois-moi. Crois-moi, c'est ce que j'ai de plus cher dans ma vie. Qu'on va te trouver, qu'on va t'attraper. Et on va t'attraper. Et je te garantis qu'on t'attrapera. T'as beau avoir un VPN, t'as beau avoir craqué ton IP, on te trouvera. C'est tout ce que j'ai à te dire. Maintenant, je te souhaite une bonne soirée. Profite bien du peu de temps qui te reste en liberté. Et crois-moi, quand je dis peu de temps, je m'entends. Du très peu de temps, parce que je te jure qu'on va te trouver. C'est du grand art. Je te fais le serment qu'on va te trouver, qu'on va t'attraper et t'iras en prison, mon grand. Tu as compris? Tu as compris ce que je te dis? Il a d'être ça, les gars. Il a vraiment d'être ça. On va te trouver. Mais du coup, moi, je vais devoir utiliser tous mes sous, tous mes V-Bucks et tout. Vas-y, profite de la vie. Profite. Il te reste très peu de temps, alors profite. Vous êtes fort. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à très bientôt, mon grand. Et on se trouvera. Oui, c'est ça. On se trouvera. Non, finalement, elles ont pas appelé les flics, les gars. C'est resté dans le cadre de Smule, donc paniquez pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de naïveté. Elles sont tellement candides qu'elles voient rien venir. Même le mec, il a rien vu venir. J'ai jamais. Franchement, c'est très rare de voir ça. J'avais déjà troll des naïfs. Ça m'arrive d'en troll, hein, des mecs. Franchement, et là, mais là, c'était incroyable. Plus c'était gros, plus ça passait. Des MG, ils sortaient n'importe quelle connerie. Ça, tout marchait en fait, c'était fou. Dites-moi sur le chat quels ont été les meilleurs moments. Et bien, je voulais qu'on parle un peu du 6x2. Quelle intervention vous a plus il y a... Dites-moi les punchs avant de se quitter. En tout cas, merci. Et à tous les détracteurs, hein, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Le vrai troll à la sauce riri, c'est ça, les mecs. Bravo à vous, les mecs. N'oubliez pas, comme d'habitude, la vie est une fête. C'est que de l'internet, les mecs. Hein. C'est pas la vraie vie, je tiens à le rappeler. On est là avant tout pour le divertissement. Show must go on. Je vous aime.
prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, les gars, Riri est toujours là pour vous jouer un mauvais tour avec toute son équipe, parce que là, franchement, vous avez fait vraiment le taf, les gars. Franchement, rien à dire. Un épisode 3, je sais pas si on arrivera. On verra si un épisode 3, les gars.